Bon, alors j'ai un peu l'impression de ressembler à tous ces vlogueurs qui existent là maintenant sur le net, à raconter ma vie en roulant en deux roues, pour dire oui, ceci, oui, cela. Bon, enfin bref, le scooter est à température, il a donc son arbre à cam modifié. Ici vous voyez le GPS. Le téléphone avec une application qui mesure les accélérations, alors je ne sais pas si on le voit assez bien, elle est configurée 30-70. Alors 30-70 c'est quoi? C'est que l'application mesure le temps que je mets à partir de 30 km/h jusqu'à 70. Alors là il marque running parce que bien sûr j'ai pas monté, mais si je redescends il va la couper, voilà, not started. On voit ici not started. Le délire du truc, c'est que donc là c'est les essais qui vont être faits avec le scooter modifié, et jusqu'à présent les essais faits avec le scooter et l'arbre à cam d'origine m'ont amené à un temps, on va dire, d'environ 6,04 secondes. C'est un temps moyen, hein. Je suis descendu un petit peu en dessous de 6, mais bon voilà, les conditions sont toujours les mêmes, route droite c'est plus facile, on va pas se faire chier. Route plate, c'est quand même préférable. Je suis seul, je suis pas avec un passager. Donc scooter déjà lancé, et puis ben, on y va, allez gaz pour le premier essai. Donc voilà, là on le voit, c'est écrit en petit. Time 5 secondes 3 sur le premier essai. J'ai pas forcément ouvert peut-être en grand, ce qui veut dire que sans forcer j'ai réussi à prendre une seconde. Alors en termes de comportement, la machine, comment dire, on sent pas 50 000 chevaux en plus, c'est pas ça, on lui sent un couple qui est bien plus présent. Je vais rebaisser parce que là-bas il va falloir ralentir. Not started. On est à peu près bon. Et ce coup-ci, je mets gaz en grand. Et je peux vous assurer, connaissant le Spazio, il y a du mieux. Punaise, 4 secondes 8. Ouais, ça marche. Ça marche, il n'y a pas à dire.